Et bienvenue dans cette Solo Cash Cup Finale Europe, session numéro 3, game numéro 5. Nous avons la chance d'avoir la POV de Belouzzi qui décide de spawn dans le camp des Gitans, Camp Candle. Allez, c'est parti, Belouzzi. Montre-nous un petit peu ce que tu sais faire. Du coup, il a beaucoup de chance. Il tombe du coup sur un pompe chasseur. Et la petite PM, il va pouvoir peut-être nous faire une strat double PM. En plus, ce qui est bien avec cette PM, c'est qu'elle est cheatée. Elle fait mal, cette PM. C'est pour ça, du coup, repère l'adversaire. L'adversaire qui décide de s'enfuir. Parce que je pense qu'il a dû avoir du coup de mauvaises armes. Du coup, Beludzi qui gratte son adversaire. Et l'adversaire qui se mange des dégâts de loin. Et du coup, Popsi qui a rien pu faire. Il aurait dû rester dans ses maisons, je pense. Bref. Et il fait même des hits. Waouh, ça fait mal. Et il fait même des hits du coup dans la maison des riches. Et nous avons du coup la POV de Probs. Probs, qui s'est caché dans des buissons. Et ça a marché parce que grâce à ça, du coup, il est parvenu à prendre son kit. Ensuite, il essaye de faire une retake. Il ne parvient pas. Attention, on repère un adversaire, le petit moins 80 qui passe. Oh là, le petit crack shield. L'adversaire, il a un HP. Et puis ouais, un Probs qui a complètement explosé Otmokame grâce à sa sneaky. Mais attention, Probs, il a plus de mal. Comment va-t-il s'en sortir face à cet adversaire qui... Du coup, un Probs qui profite à mort de ses construits. Il décide de pad pour aller s'enfuir. Et oui, il décide d'aller prendre la voiture. Et l'adversaire qui décide de rester là où il est. Du coup, c'est parti pour Srapt dans le bateau. Du coup, c'est parti pour la bagarre. L'adversaire qui a voulu tuer Srapt avec une hog. C'était vraiment la hesse à ce que je vois. Du coup, Srapt qui en avait un, du coup, a le contrôle sur le fight grâce à la hauteur. Du coup, essaye de voir un petit peu où l'adversaire il est. Mais ça, il l'a repéré parce qu'il rigole, l'adversaire. On voit que Srapt, il est chaud parce que grâce à ses chapeaux, il a pu bloquer son adversaire. Oula, il a failli rentrer dans la box. Il laisse un HP sur l'adversaire. Je vous rappelle que son adversaire a fait l'emote pour rigoler. Je trouve qu'il avait un petit peu une excès de confiance. Et oui, c'était le mur de Srapt. Et Fizz qui a un petit peu trop rigolé face à Srapt. Je vous rappelle qu'il était bloqué face au mur qui était à Srapt. Faites attention, boxez-vous pas dans les murs de l'adversaire. Et c'est parti pour Zendix qui a décidé du coup de quitter la Synapse Station. Du coup, se cache derrière un petit cabanon. Parce qu'il sait que l'adversaire rotate ici. Il sait que l'adversaire passe tout le temps par là. Et oui, le petit moins 80 qui passe pour Zendix. Zendix qui connaît les rotates de ses adversaires. Du coup, c'est parti pour la bagarre. Grâce au pompe à tambour, fait un moins 50. Mais attention, c'est toujours pas son mur, le petit moins 21. Et oui, ce pompe qui parvient aussi facilement à casser les murs. On voit que
Depuis le temps qu'ils l'ont mis ce pompe, on voit bien que les joueurs pro maintenant savent le manier, ce pompe à tambour. Oula! Et fait un kill le petit moins de 200 qui passe, l'adversaire qui a essayé juste un, de prendre la tiro. Mais on voit qu'avec les armes de chapitre 3, on voit que maintenant c'est éliminatif, hein, ces gens de rotate. Et c'est parti pour Vipex. Vipex hein, qui est encore toute sa vie. Se fait attaquer par un adversaire hein, qui a le contrôle sur lui. Parce que oui, je vous le rappelle, qui a le, il a le high. Du coup, hein, l'adversaire hein, qui essaye de prendre un maximum de murs. Du coup, le petit moins 50. Et on voit que Lox, il a raté toutes ses balles. Oh, c'est dommage. Parce qu'il était donné, cet adversaire. Et nous avons Firex. Et le petit moins 200 qui passe, Mariolo, hein, qui nous quitte. Hein. On voit que Fayex, sur ce coup-là, était 200 IQ. Les petites sneakizers fonctionnent à merveille. Oula, le petit moins 100 qui fait aussi de loin, c'est magnifique. Oula, le petit moins 100 qui passe. Du coup, c'est parti. La course-poursuite est lancée. Du coup, l'adversaire hein, qui n'hésite pas à dépenser un maximum de farm décide de s'enfuir avec le camion. Mais Mariolo, hein, qui ne peut pas tuer son adversaire. L'adversaire, hein, qui décide de partir du camion, décide de se boxer. Et puis Mez, hein, qui nous quitte, hein. Fayez encore une fois sur ce coup-là nous a fait une 200 IQ parce que c'est comme ça qu'il faut jouer. Et on voit que Fayez fait encore la bagarre. Donc petit moins 60 de la part de l'adversaire. Et Fayez hein, qui recontinue sa strat de sneakizer. La petite sneaky. On voit que l'adversaire est très agressif parce que oui, il le sait qu'il a mis une grosse balle. Ouais ! Jolie contre-attaque hein, de Fayex hein, qui a fait... et qui savait que... Oh là, il lui a fait l'amour. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais il lui a fait l'amour. Ah, c'était... c'était vraiment... Oh, c'était vraiment bien joué de sa part. C'est parti pour Fredoxy qui fait tomber son adversaire. Fredoxy qui tente la mongrale qui laisse à un HP son adversaire. Je vous jure qu'il a un HP son adversaire. Une balle et il est mort. Et grâce à la PM1.
tire 10 balles à la seconde, c'était sûr qu'il allait l'avoir en l'air. Du coup, ce qui est dommage, c'est que le stuff tombe comme de la merde. Du coup, Fredoxy, qui a décidé du coup de se placer à côté d'un canon. Et je me demande pourquoi il n'utilise pas ce canon. Du coup, décide d'utiliser le canon. Et c'est utiliser le canon à merveille. Parce que oui, il parvient à rentrer dans la box d'un adversaire. Et Jerko hein, qui nous quitte. Hein. On voit que les canons, c'est trop fort. Fredoxy, hein, qui a fait une 200 IQ. Et qui a en plus de ça une voiture gratuite. Mais malheureusement, la voiture qui tombe. Et Fredoxy qui est obligé de dépenser un maximum de constru. Mais ça va, il en récupère. Non, ça va, il en récupère. J'ai rien dit. Heureusement. Du coup, avec sa voiture, décide de mettre une deuxième voiture. On voit qu'il garde sa voiture, on voit qu'il est bien, il a deux voitures et tout. On voit qu'il peut même encore utiliser du coup le canon. Du coup, reprend le canon. Et décide encore d'attaquer un adversaire. Et il rentre dans la box de son adversaire. Mais il est trop fort, Fredoxy. What the fuck, man. Il a enchaîné deux kills comme ça, mec. Il est trop trop fort. Il est incroyable. Du coup, le petit moins 60 qui passe. Il fait exploser la caisse pour que l'adversaire dépense un maximum de constru et pour que le sol soit en feu. Et on voit que l'adversaire dépense beaucoup de mal pour pouvoir survivre. Et Gust du coup nous quitte face à Zendix hein, qui avait prévu ce kill. Repère une voiture, malheureusement les balles qui passent pas. Et le petit 50, moins 50 qui passe, largement suffisant pour tuer son adversaire. Son adversaire hein, qui faisait tout pour survivre face à l'autre adversaire. Et c'est parti pour Bévis hein, qui a mal démarré sa cup, mais Bévis, hein, on voit qu'il n'a toujours pas dit son dernier mot. On voit qu'il est très très bien placé en zone. Du coup, a tenté un pré-shot. On voit qu'il est juste au-dessus de la Storm Surge. Du coup, l'adversaire qui décide de rentrer dans sa box. Et Bévis, hein, qui l'attendait bien sagement. Bravo à toi, Bévis, hein, de rester concentré sur le dessus. Parce que oui, il était dangereux, cet adversaire. Il avait besoin de Storm Surge. Du coup, là, l'adversaire entre dans sa box, Tuja 22. Reflex, Reflex Edition. Du coup, encore un mec essaye de rentrer dans sa box, mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tous tuer Ju. Et Wolfies hein, qui nous quitte, un hein, Ju hein, qui avait tué son adversaire à 28 HP, son adversaire qui avait failli tuer Ju. Mais what the fuck, Ju maintenant qui décide de tank la zone, mais c'est pas le moment Ju de tank la zone, il faut le faire à la fin.
grâce à un peu de chance, du coup, Jou parvient à résister. Du coup, Alexis, hein, qui a pris le kill sur Atlantix. Et nous avons Erken, notre joueur français, qui n'a pas dit son dernier mot. Erken, hein, qui veut essayer lui aussi, hein, de gagner un maximum d'argent. Et c'est parti pour la Mauvix Zone. Erken, hein, qui attend bien sagement ses adversaires parce que oui, il est au milieu de la zone et il repère toutes les voitures. What the fuck? L'adversaire qui décide de ne pas conduire. Les adversaires, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont trois à rejoindre cette voiture, il me semble. Oui, ils sont trois. Et what? Du coup, what? Ils étaient trois à prendre cette voiture. Du coup, what? Il y a un adversaire qui a même réussi à prendre un kill qui est en dehors de la voiture. Je ne saurais l'expliquer, what? Malibouk a encore rejoint la voiture de Erken. Qu'on voit deux joueurs de gros calibre s'entraider comme ça, c'est magnifique. Du coup, Erken, hein, qui décide d'attaquer un adversaire. L'adversaire, mais attention, Erken, hein, il était pris en hamburger. Du coup, Erken, hein, qui essaye de survivre, qui dépense du coup ses dernières constructions. Plus de 102 maths, hein, pour Erken. Et le petit crack shield. Et voilà, bravo Erken, du coup. Il prend le kill sur Karma. Ce qui est bien, Karma, c'est qu'il avait beaucoup de maths. Ce qui est bien, Erken, c'est qu'il peut focus un petit peu la tempête grâce à ses poissons rouges. Du coup, c'est parti. Il réussit enfin à rejoindre la zone et en plus de ça, il gratte un pad. Du coup, là, il est bien. Bientôt, il va enfin pouvoir gagner un maximum de points de survivant. Attention, il se fait attaquer par l'arrière grâce à son mur métallique. Ça lui a peut-être sauvé la vie. Attention, hein, comme je vous l'ai dit, les murs en bois, c'est très fatal. Repère un adversaire, le petit bois 30 qui passe. Dommage, il aurait bien pu... il aurait pu faire... il aurait pu faire mal. Du coup, hein, profite de la tempête, hein, qui revient en arrière grâce à ça. Il peut encore rester où il est. Grâce à cela, il parvient à économiser un maximum de maths en restant bouche bée. Du coup, décide de rotate. Rentre dans la box de quelqu'un, le petit moins 200 qui passe, et oui, c'était un moins 200. Camille, hein, on voit qu'il lui restait beaucoup de maths, donc il a pu tuer vraiment un mec qu'il a mis bien. Il a avancé un maximum dans la zone. Pourquoi? Pour pouvoir se heal. Bravo à toi, Erken, qui gratte un maximum de poutos, de points de survivants. Bravo à toi. Et nous avons le OK. Le OK, hein, qui a mis un HP son adversaire. Le pompe à tambour, hein, qui carry. Nous avons Ogwe, hein, qui a le high. Et nous avons Tic, hein. Tic, hein, qui n'a pas dit son dernier mot. Il me semble, si je dis pas de conneries, il me semble que Tic est français. Bravo à toi. T'es vraiment un bon monceau. Du coup, on voit qu'il a pas de maths. Comment il va faire? Parce que faut surtout pas qu'il meure maintenant. Parce qu'il y a encore beaucoup de points à se faire. Du coup, repère un adversaire. On voit que Tic lui a mis une grosse bastos. Oula! Du coup, tu fais X et tu as un autre adversaire. Ça s'appelle un double kill. Bravo à toi, Tic.
Tic, hein, qui avait zéro de construction, hein. Qui a pu se faire des maths grâce à sa Tic, qui parvient à se placer en zone. Du coup, il attend bien ça, je pense, ses adversaires. Et oui, il y avait un autre adversaire, Lawless, hein. Lawless, hein, qui était en sneaky. Heureusement que Tic avait l'œil. Du coup, à partir de là, il va pouvoir gagner un maximum de points de survivant. Top 14. Du coup, parvient à tanker la zone grâce à sa Medibrume. Mais voilà notre adversaire, hein, qui tankait la zone et tu srappes. Oh là 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 là, mais Tic est magique. Tic est trop magique. Il tanque la zone avec deux Medibrumes. Mais Tic, il est vraiment trop magique. Et repère un autre adversaire, hein, qui faisait la même technique. Et Zendix, hein, qui parvient encore à tanker la zone. Et il a encore, du coup, les Medibrumes. Il a encore deux Medibrumes. Oh, c'est ça la strat. What the fuck. Mais j'en crois pas mes yeux. Les adversaires, hein, parviennent à tanker la Medibrume. Parviennent à tanker la zone, hein. Il essaye de trouver une autre Medibrume, mais ça va être très compliqué. Parce que Zendix... What.